Ce jour-là, dans la forêt, ma vie a complètement changé. Salut à tous et à tous, c'est Ross18, on se retrouve pour le 10e épisode de Yokai Watch. Du coup, avant de continuer le Yokai World, on va jouer la dernière pièce de Bungokai. Du coup, on n'affrontera pas le boss aujourd'hui. Je pense qu'on le réservera pour l'épisode prochain parce que je suis sûr de pas avoir bon niveau. Ah bah, Super Pew, je le voulais. Je crois que je l'ai même pas en plus. Alors, ce qu'il aime, c'est l'hamburger. Ce qui est à moi et ce qui est à toi est aussi à moi. Tout est à moi, rien qu'à moi. Ah, ok, un peu déçu. Je suis content de l'avoir, mais un petit peu déçu parce que c'est quand même un Yokai assez facile à avoir. Cet Obi-Wan-Kai, ce serait quasiment que les rares ou les durs à attraper, à capturer qu'il faudrait qu'on aille dans Obi-Wan-Kai. J'espère qu'ils corrigeront le truc du Bungokai dans le Yokai Watch 3. Donc je sais pas si vous l'avez dit, la version se prendrait moi sur 3DS. Le Yokai Watch sera la version Sushi. Je sais pas pourquoi, je sais même pas si... Je pense qu'il y aura un Yokai spécial de rang S, mais je sais pas lequel que ça sera. Je sais pas si je prendrai les deux autres versions de Yokai Watch. Et les corneaux. Alors ici, le point de vue de mon côté, je sais comment on peut devenir, faire éviter de devenir, enfin de capturer Subidou. Mais comment dire? En fait, vous avez un sceptre et puis le sceptre d'amour, je pense que c'est comme ça s'appelle. Et puis en fait, il faut que vous capturez des insectes et vous faites des genres de points avec. Et puis si vous avez les bons points, ben en gros, vous le gagnez. Et après, vous faites fusionner avec Subidou au temple de la voix. Avec Pitou plutôt, puis ça fait Subidou. Mais vous pouvez l'avoir aussi ici, vous donnez des hamburgers. Et après, c'est la chance de Kai. Gargaros. Vous avez que cette quête. Elle a dit je voulais faire la quête de Vipersa, mais j'arrive pas à trouver la clé. Vous pouvez me la donner, la clé. Ah là, c'est le pire truc. Là, vous allez voir. C'est joli là où on va, mais. Mais. Il y a une mission avec Picor. Un petit mini-jeu. Franchement, il est lourd. Je m'arrêterai après ce mini-jeu parce que.
Un hamburger. Grand papiti. Ah oui, c'est dans ce niveau-là où vous pouvez avoir le ton premier choix. Par contre, je sais plus dans quel coffre il est. Enfin, je pense à le chercher parce que il y avait un service qui nous avait demandé du Bénian de lui ramener un ton premier choix. On va spriter un peu. Ah, pas de réseau. On la ramène de Luce, ça c'est bien. Le merveilleux. Il faudra que je récupère 2 corneaux pour faire 8 corneaux. Il faut que je capture Angélique, Timmy Démon, il y a plein de cailloux encore à capturer. Je le ferai en off. Je vous dirai quelle nourriture et à peu près où on peut le trouver. Feu de lion. Voilà, Picard. Un Picard du moins. Et c'est là, c'est le pire mini-jeu qu'on peut avoir dans le jeu. Maintenant, il faut le trouver. Sauvegarde quand même. On sait jamais. Alors on se fait une coupure. J'essaierai de pas me tromper de bouton, que ça m'arrive souvent. Alors non, c'est pas lui. Baguette de pain. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi avant de commencer à mini-jeu? Fouiller et regarder tous les gars qui ressemblent à Picard ou Picor. Comme ça, ça peut vous donner un indice. C'est un endroit. Il est pas là. Ah. Ah, ça va être. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Bon, maintenant, je vais essayer de trouver l'entrée pour avoir ton premier choix. Crevette épicée. Un peu de temps. vous pouvez pas penser une musique. Vous trouvez pas ça vous fait penser à la musique de Kingdom Hearts dans le château de Disney. Quand vous êtes dans la pierre, dans la salle de la pierre angulaire de lumière. Ah voilà. Et voilà, le ton premier choix. Je vous fais pas, vous faisiez pas la connerie. De le donner à un yokai pour le nourrir. Maintenant, cherchons-le. Non, c'est pas lui. Allez. Voilà. Allez. Pain pissé. Allez. Ah, c'est lui. Je sais pas combien de fois, mais il faut. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut le trouver un certain nombre de fois. 3, je pense, ça aurait suffi, hein. La première fois, j'en avais tellement marre que je vais quitter parce que. Bien sûr, en sauvegardant avant. Donc, je l'avais refait du début parce que j'avais pas trop compris.
Merde. Elle était juste en dessous. On va voir, si on a le temps, on va peut-être faire tout le Yo-Kai World juste avant McCracken. Il faisait des jolis jeux de mots. Il est temps de mettre la tentacule à la patte. Ça, franchement. Là, c'est comme bizarre que le premier film de Yo-Kai Watch, c'était pas concentré sur McCracken. Enfin, c'est le premier qu'on a vu dans les jeux Yo-Kai Watch. Il dit perpétuel à l'arrivée dans le deuxième, clairement, logique. Ça aurait dû être McCracken. Hein. On m'a dit ça après c'est le développeur du film. Je sais même pas quand. Là, je crois qu'on m'aime pas pour un film, ça s'appelle un développeur. Ça s'appelle un réalisateur. Tiens. Oula. Il donne des claques à qui? C'était lui? What the fuck? En fait, pour le dire aussi, je crois qu'il fait quelque chose, soit il a allongé, soit il donne un coup. Comment on va atteindre le gâteau? Ah. Oursin. Je sais pas quel goût ça, je n'ai jamais mangé. Je sais pas, mais je vais dire n'importe quoi. Je crois dans certains soucis, les maquis, je crois qu'ils en mettent. Des morceaux d'oursin. Ça, je sais pas. Ouais, si vous êtes des pros du Japon, tu vas me le dire. Ah oui, peut-être. On va essayer de voir par là. Non, ça c'est... Alors, il est où? Je vais cacher qu'il peut pas être dans des trous. Voilà.
Allez, masse claquée. Voilà. Ah non, il est où? Ah, une petite dernière, ça serait pas mal. Savoir où il est. Ah, le voilà. Ah bah enfin! Quel enfer ce machin! Une porte de rang S, ça a rien qu'on l'a parce qu'on n'a pas encore la main. Hop! Comme à housse. On est fou plutôt. Qu'est-ce qu'il aime lui? Ah ben parfait, il aime ça. Ça permet de monter un petit peu de niveau. Oh, ils font mal. Soit tout. Allez. Ouf, bien joué. Comme un zéro. Enfin, comme une tigrie plutôt. Non, radin plutôt. Une toile dansante. Ok. Mon dieu, un requin. Oh, t'es légumes. C'est pas la joie, quoi. Un bravo encore à Noni. Regarde, c'est ça? Pour qu'ils soient pour un champion, je suis un enfant.
Bien joué, bonne réponse, tu peux rejouer. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Ah non, mais il est blanc, lui. Ils font mal, par contre. Non, oui, en plus, on peut même pas. Ouais, fais ton attaque ultime sous Bunyan. Satana. Ça fait mal. Ouais, ils ont pas beaucoup de vie, mais ils font mal. Ouais, des bonbons. Des avoir un qui aime les bonbons dedans. Oh, s'il voit glagla. S'il voit glagla. J'aimerais bien attaquer aussi les coffres sur la carte. Comme un petit trou. Oh, y'a rien Disney. On peut savoir si c'est un coffre. Ah, c'est un rayon. Nous comme ça. Hein. Oh non. Le troisième, le pire des Oni. Vous n'arrivez même pas à battre Gargaros. En même temps, il arrive toujours quand on est au bas niveau. Comment voulez-vous le battre? Alors, je m'ai mis un capture picor et puis je l'ai pas eu. Comme par hasard, juste après. Non, il arrive. Ok. Oula, c'est tout blanc, j'aime pas trop. Grandis pas. Moyen. Zozor. Vous allez, on va voir l'hermitine de. D'Orthogone. Allez, chauffe-moi, ça fait boule de lumière. Allez. Allez, pas trop butante. Vraiment de flâner comme mystérie. Ouais, la bulle qui se pointe alors qu'on l'a tué, c'est pas logique. Un serpent, un chien de tête. Ça s'appelle le Cerber, alors que bon, le Cerber ça a trois têtes. Mais bon, tu es mon petit. L'avantage de Tombian, c'est qu'il recharge son âme multiple très vite. Mais où ça va? Voilà.
loin avec deux yokai qui ont mouru, qui sont morts. Vous allez dire qu'en un Shrek, t'as pas mouru. T'es de l'âme. Non. Non, lâche-moi, lâche-moi. Ah, voilà. Donc on va s'arrêter là. Pour le 10e épisode de UK Wash. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, c'est pas déjà fait. Sur ce, à plus.